Mettre à jour ces extensions dans WordPress, c'est ce que nous allons voir tout de suite. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc, comme je le disais rapidement au tout début, on va voir comment mettre à jour ces extensions WordPress. C'est assez important de le faire puisque souvent les mises à jour corrigent des failles de sécurité ou des bugs techniques, hein, tout simplement. Notamment à chaque fois que WordPress se met à jour lui-même. Ok, donc c'est important d'avoir ces extensions à jour. Faites attention à ça. Donc c'est très simple. Si jamais vous ne savez pas comment mettre votre WordPress à jour, je vous mets une petite vidéo qui arrive là sur la droite de l'écran. Ok. Et donc là, on va voir comment mettre à jour ces extensions WordPress. C'est très simple. À nouveau, vous ouvrez donc votre tableau de bord. Vous allez dans Extensions ici. Vous cliquez. Rien d'extraordinaire. Ensuite, vous pouvez mettre à jour ici. OK. Vous sélectionnez toutes les extensions qui sont à mettre à jour. Hop, mettre à jour, vous sélectionnez et appliquez tout simplement. Ça va prendre quelques minutes. On se retrouve juste après. Et voilà, toutes mes extensions ont été mises à jour et vous allez voir un petit check vert ici, comme quoi c'était bien mis à jour. Attention lorsque vous faites des mises à jour, que votre extension ou que vos extensions soient bien compatibles avec la dernière version de WordPress que vous avez, ou en tout cas avec la version de WordPress que vous utilisez. Et ben voilà, c'était pas plus compliqué. Moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto. Ciao! Thank you.